Alors bonjour tout le monde, ça va, j'espère que vous allez bien. Alors toujours, alors les résumés de la boîte à merveilles. Alors ce soir, on va voir le résumé du 10e chapitre. Chapitre, là, ça. Alors 10e chapitre, les conseils, prières et bénédictions de Sidi Al-Arafi rassurèrent les deux femmes. Je n'ai pas qu'on a les deux femmes. Nous avons les problèmes. Il a perdu son capital. Ils ont consulté Sidi Al-Arafi. Alors, les conseils et les prières et bénédictions de Sidi Al-Arafi rassurèrent les deux femmes. Alors, nous consulta, bien sûr, Dekshi, Ligaléon, par hasard, a dit Tchakak. L'enfant est fasciné par le voyant aveugle. Fasciné, yani, Mounbahar. Les Zoubida gardent l'enfant à la maison. Ainsi, elle se sent moins seule et sa présence lui fait oublier ses malheurs. Chaque semaine, ils vont prier sous la coupole d'un saint. Au Salm Sid, Kulamra, Imshiul Sid, Itlabofe. Les prédictions de Sidi Al-Arafi se réalisent. Dakshili, Galium Sidi Al-Arafi, comme par hasard, Itchakak. Un messager venant de la campagne apporte provision. Jablihom, le messager, Seftobbah, Jablihom, le Ma'ouna, Jablihom Flous, et bonne nouvelle de Sidi Al-Arafi. Lalla Aisha invite Lalla Zubida et lui réserve une surprise. Que son mari reprend le chemin de la maison. Et ni son mari, Radirja. Alors, situation de passage. Pendant l'absence du père, le narrateur et sa mère ont vécu divers événements. Dont notamment le remariage de Moulay Al-Arabi avec la fille du coiffeur Khadija. Après la dégradation de ce ménage, ainsi de celui du narrateur, les deux femmes Zoubida et Aïcha ont visité les sanctuaires Adreha. Et se sont rendus chez le voyant aveugle Sidi Al-Rafi. Tableau d'Yana, toujours la saison d'été, le lieu d'Ashouafa, personnage, un Sidi Mohamed, Zoubida, Abdeslam, Aïcha, Sidi Al-Rafi, et un messager envoyé par le père. Alors les actions, visite de Sidi Al-Rafi, visite du messager du père qui apporte nouvelles, argent et provisions pour la famille. Jibléon Flous, Akbar, Jidab et Nel Abkari Berja, et le Ma'ouna, bien sûr, les Radi Htajouha. Alors, la saison, l'été, les indices de temps, on a le lendemain de la sortie avec Lalla Aïcha, un matin, les indices de lieu, on a demeure du frère, Sidi Al-Arafi, et la maison, les personnages, on a le narrateur, la mère, Lalla Aïcha, et le messager, l'événement principal. Le narrateur évoque les souvenirs, évoque des souvenirs du voyant Sidi Al-Arafi, un voyant aveugle, capable de voir la lumière cachée au fond des cœurs des hommes. Les conseils, prières et bénédictions de Sidi Al-Arafi rassurèrent les deux femmes. Zoubida rentre chez elle, tout en gardant le secret de la visite. Zoubida garde l'enfant à la maison. Ainsi, elle se sent moins seule et sa présence lui fait oublier ses malheurs. Chaque semaine, ils vont prier sous la coupole d'un saint. Alors, les prédictions de Sidi Al-Arafi, se réalisent. Comme par hasard, un messager venant de la campagne apporte provision. Si il les provisions, de clos, et de bonnes nouvelles de Sidi Al-Islam, Lalla Aïcha invite Lalla Zoubida et lui réserve une surprise. Il sent que son mari reprend le chemin de la maison. À retenir. Le chapitre 10. Le narrateur, sa mère et Lalla Aïcha se rendent chez le frère Sidi Al-Arafi. Prémonition du frère. La mère décide de retenir l'enfant à la maison. Une visite d'aisée d'un émissaire de la part du père. Ou une visite de Lalla Aïcha qui réserve une surprise à son ami. Question-réponse. Où habite Sidi Al-Arafi? C'est un voyant aveugle qui prédit l'avenir. Et jouit d'une grande réputation. Il habite le quartier Sfah. Kulchiti Arfof quartier. 2. À quoi le narrateur compare-t-il le panier de Sidi Al-Arafi? Sidi Al-Arafi, quand il y a un kfifa, il compare le panier du voyant à sa boîte à merveille. Quel est le kfifa dialo? Bhal la boîte à merveille dialo. 3. Que demande Sidi Al-Arafi à l'enfant en présentant son panier? Le voyant demande à l'enfant de saisir un objet sans le voir. Quel est le kfifa? Quel est le kfifa? Quel est le kfifa? 4. Quel objet Sidi Mohamed fit-il sortir du panier? Alors Sidi Mohamed, je le panier.
L'objet retiré par le narrateur est une boule de verre. Je veux dire, le bouillard dit j'ai 5. Quel conseil prodigua Sidi Al-Arafi à l'enfant? Alors, je n'ai pas Sidi Al-Arafi. Il lui prodigua de regarder en dedans de soi. Yani, chauffe le dakhl dialo. 6. Quel objet l'Aïcha retirera-t-elle du panier du voyant? L'Aïcha retira un minuscule coquillage. 7. Quelle prédiction annonça le voyant à l'Aïcha? Il lui annonça que le nid sera de nouveau reconstruit. Yani, l'Aïcha dit là. غيعاود يصيب من جديد، يعني تي إيحاءات بأن الأبر غادي يرجع وغترجع الأمور كيف ما كانت. 8. كيل أوبجي زبيدة غوتيغاتيل دو باني دو فويون زبيدة غوتيغي أون بيرل نواغ، واحد الحجارة كريمة كحلة. 9. كيل كونساي دونا سيدي العرافي على لا زبيدة؟ لو فويون كونساي زبيدة دو فيزيتي لي سانكتوار دو لا فيل، يعني دور كاع الأضرحة اللي كاينين في المدينة. 10. Montrer que la visite de Sidi Al-Arafi est pour Sidi Mohammed une nouvelle naissance. La visite de Sidi Al-Arafi est pour le narrateur une nouvelle naissance puisque le monde s'offrait à son regard dans sa propreté originelle. 11. Pourquoi Sidi Mohammed s'était-il caché dans les plis du haïk de sa mère? Sidi Mohammed s'était caché car il avait peur du frère, Khaf Menno, qui passait dans la rue. Le frère, dit jamais. 12. Quel mensonge la Zoubida était-elle prête à dire au maître de l'école coranique? Elle avait amené son fils voir un médecin. Elle a dit qu'il alors, il y a quand se voulait le frère, elle a dit qu'il n'y a pas de dit qu'il n'y a pas de problème. 13. Est-ce que la Zoubida raconta sa visite à Sidi Al-Arafi? Non, la Zoubida ne parla pas de sa visite chez Sidi Al-Arafi. Elle prétend être partie faire un pèlerinage au sanctuaire. Elle a dit qu'elle était sada qui est dans la Médina. Elle a dit qu'elle était sada qui est dans la Médina. 14. Quelle résolution concernant Sidi Mohamed prit Lalla Zoubida le lendemain de la visite de Sidi Al-Arafi? Lalla Zoubida décide de garder l'enfant à la maison durant le mois d'absence de son père. Parce qu'elle se sentait seule et la santé de son fils laissait beaucoup à désirer. Alors la santé de son fils, qu'en est-il? 15. Que décida Lalla Zoubida de faire avec son fils chaque semaine? Lalla Zoubida décida d'emmener son fils visiter les divers sanctuaires. 16. Qu'est-ce que le messager de Mme Abdeslam a apporté de sa part à Lalla Zoubida? Le messager Seftol Ab, je n'aurai dit. Le messager de Mme Abdeslam a apporté une douzaine d'œufs, un pot de terre ébréché, plein de beurre, une bouteille d'huile, zit l'oud, d'un brin sombre. 17. À quoi refaire Lalla Zoubida quand elle parle de sa surprise et de ses appréhensions? L'appréhension, il y a la peur, dit elle. L'appréhension de la mère est en fait légitime. Elle a eu peur d'avoir affaire à un créancier. Ninja d'Akalim Wahd Sid, ma brèche halva, vous t'chalat, vous t'chalat, vous t'chalat, vous t'chalat, vous t'chalat, le messager, j'ai voulu avec Chile Sept l'Ab. Gatiek Mawashi Wahd Kadjit Sel, le Rajli Flous, j'ai bradaba Flous, dit elle. Un créancier que son mari aurait oublié de lui signaler. Elle n'avait plus assez d'argent pour le payer. Elle est alors agréablement surprise et soulagée d'entendre que le messager qui la demande vient de la part de son mari pour lui remettre quelque chose. 18. Que demande Lalla Aïcha à Lalla Zoubida? Lalla Aïcha demande à Lalla Zoubida de lui rendre visite le lendemain afin qu'elle lui raconte du nouveau à propos de ses démêlés avec son mari. Alors j'espère que vous avez compris le 10e chapitre. Alors les chapitres Kulom à la portée Sahline. Alors je vous invite à vous abonner sur la chaîne Haye Kulchi FM. Partagez, laissez des commentaires. Ou alors, à l'zir, je vous le jadid.